Voilà, bienvenue à tous. Nous sommes pour une nouvelle balade. Vous pouvez le voir derrière moi, nous avons un schtroumpf. Pourquoi un schtroumpf? Parce que nous allons au MOUF, au Muséum MOUF. Alors le MOUF, le muséum, c'est quoi? Bah, c'est l'univers du schtroumpf, mais pas que. Le musée existe déjà depuis un petit moment, hein, puisque moi je l'ai déjà visité il y a déjà 4-5 ans. Il a totalement changé et il était temps pour moi d'y revenir. Voilà. Entre temps, ils ont ouvert cette superbe boutique que vous voyez dans mon dos sur les Schtroumpfs. Nous sommes au cœur de Bruxelles, à la Grande Place. Et comme d'habitude, voici la nouvelle vidéo en tournée montée pour Kidel Conso. Donc voilà, je suis heureux de vous présenter cette vidéo car nous allons découvrir ensemble le MOUF revu et recorrigé. Alors, voilà l'entrée. Alors, avant, ça ne se présentait pas comme ça. Voilà, il y avait des petites boutiques ici, mais a priori, maintenant, il n'y a plus que la boutique des Schtroumpfs. En bas, il doit y avoir une seconde boutique, comme avant, et c'est assez sympathique ici quand même. C'est assez joli et assez sobre. Voilà, j'aime bien le côté musée déjà, avec le Star Wars de la Tacus, si mes souvenirs sont bons. Mais nous sommes venus faire de la BD avant tout, hein. Voir de la BD, voilà ce que sommes venus voir. L'univers de la BD franco-belge et pas que. Alors, j'ai prévenu la responsable, Alice, de notre venue. Ah, l'escalateur fonctionne comme ça, voilà. On fait attention, on descend, nous allons au sous-sol découvrir le MOUF. Donc il y a 4-5 ans, moi quand j'étais venu, c'était assez formidable, c'était pour la remise des diplômes Raymond Leblanc, le journal de Tintin. Et ça, ça fera aussi l'occasion de faire une autre vidéo, un de ces quatre, pour vous parler de mes aventures d'il y a d'antan, hein, parce que je suis plus tout jeune. Voilà. Donc nous allons directement à l'accueil. Voilà, nous sommes à l'accueil du MOUF. Alors, effectivement, il y a toujours une boutique, vous la voyez derrière moi. Voilà, cette boutique. Ouais, ça a changé, hein, c'est sobre, c'est spacieux. Bonjour, Alice. Bienvenue. Voilà, c'est Alice, hein, je suppose. Voilà, enchantée. Donc voilà, je suis content de venir faire cette nouvelle vidéo. Alors voilà, on va s'y prendre comme ça. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Je suis contente de t'accueillir, en tout cas. C'est super sympa. Je vais la visite toujours par là. Alors la visite, elle commence effectivement ici, sur la gauche, avec Spirou. Avec Spirou. Et on m'a dit qu'il y a plein de nouvelles choses. Alors il y a plein de nouvelles choses. Il y a une nouvelle configuration aussi. Et juste à la fin, donc il y a une exposition. Et en plus, un petit bar où on peut aller consommer. Il y a même un petit bar. Donc la prochaine fois, je ne vais pas venir seul. Hein. Faites comme moi. Une bière BD. Voilà, une bière BD. Hey, sympa. Une sympa. Alice, un grand merci. Je rappelle, nous sommes au MOUF. Et c'est exclusif, une fois de plus, et c'est sur Kidel Conso. Allez, au plaisir. Bonne visite. Et je te remercie. Allez, on est parti. Donc, une bière BD. Ah, c'est sympa ça. Allez, hop, on commence la visite. Donc, nous sommes au MOUF. Et on commence avec Spirou. Il y a l'évolution de Spirou. Voilà. Super accueil de la part d'Alice. On ne peut que remercier ce grand sourire au MOUF. Voilà. C'est assez sympa quand même. Hein. Donc, comme d'habitude, je ne vais pas tout vous faire voir. Comme d'habitude, je ne peux pas tout vous dévoiler parce que ce sera à vous de venir aussi et de découvrir cette vidéo et de découvrir les lieux après. Voilà. J'espère vous donner envie une fois de plus. Vous êtes nombreux à réagir sur Facebook et Instagram. Vous êtes nombreux à me faire part des messages, à me faire part de vos envies. Donc voilà, j'espère qu'une fois de plus, vous allez être heureux, content de ce que je vous présente. Ah, il y a le village du Grand Schtroumpf là-bas. Super sympa. Voilà, je découvre en vous, avec vous. Voilà, je suis un peu sur mon petit nuage, je suis dans mon élément. Super, ça ferait bien la maison ça. Voilà le volume. C'est assez sympathique. Gargamel en grand, il est super beau. Je vais vous faire voir. Le voilà. Donc ouais, nous sommes un peu dans la pénombre. C'est assez chouette. Les objets sont bien mis en valeur avec une belle lumière, une petite musique de fond. C'est assez agréable. Hein. Franchement, c'est super agréable même, je dirais. Waouh. Ah, ça je l'ai vu, ça je me rappelle. À l'époque, quand j'étais venu il y a 5 ans, c'était déjà. Le buste de César. Super pièce. J'adore. Alors là, c'est de l'échelle 1, carrément, Astérix Obélix. Voilà, beaucoup de BD, beaucoup de dessins.
Mais bon, hein, je ne vais pas me répéter, on ne fera pas la visite au complet et au total, parce qu'il faut que vous veniez découvrir vous aussi. Hein. Lucky Luke, ah oui, je me rappelle de ça aussi. Ça, je me rappelle de ce train. Voilà, le train, on va mieux le voir comme ça. Le train avec tout l'univers de Maurice. Ah, il y a des tuniques bleues aussi dedans. Ah, il y a plusieurs thèmes. Ah oui. Allez, nous continuons la visite. Je vous rappelle, nous sommes au MOUF. Voilà. Ah, du Tintin. Là, nous rentrons dans l'icône de l'icône. Et voici Tintin au MOUF. Fondation Raymond Leblanc, je vous en parlais tout à l'heure. Voilà. Nous avons eu l'occasion, enfin j'ai eu l'occasion d'assister aux récompenses. Voilà. Qui se sont passées ici, je pense, il y a 4-5 ans déjà. Voilà. Tout l'univers Tintin qui défile derrière moi, vous le voyez. Une très très belle collection. Je ne peux que vous la recommander. Elle est magnifique. C'est super beau, c'est super chouette, j'adore, j'adore. Il y a des pièces que j'aimerais bien acquérir, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Hein. Ah, là, la mise en valeur de la licorne, on ne peut pas mieux dire, et mieux faire, je pense. Alors, il faut lire les BD. Hein. La lecture, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour le moral. Il faut lire, il faut partager. N'hésitez pas à passer vos BD, vos bandes dessinées à vos enfants, à vos amis. Partagez. L'univers de la BD fonctionne bien. L'univers du manga fonctionne très bien. Mais il faut continuer. C'est très important. À l'heure du digital, à l'heure du numérique, il faut continuer à lire et à toucher le papier. Je ne suis pas pour les BD ou la lecture sur écran. J'adore le papier. Et ça, il faut vraiment continuer. Voilà, la nouvelle version de Tintin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Elle a le mérite d'être connue et elle a le mérite d'être au MOUF. Voilà. Donc cette version hein, cinéma. Une suite, très prochainement, nous avons une suite. Ah, voilà, le blat des pièces maîtresses. Ah oui, je m'en rappelle. Alors hop, on va aller voir derrière. Et voici. Ça, ça a de la gueule. Hein. On ne peut pas dire autre chose. C'est magnifique. C'est une des pièces maîtresses du musée. Voilà, allez hop. On continue la visite, je vais passer certaines pièces. Hop là. J'adore le côté de la possibilité de le voir comme si on était dans la fusée en cabine. C'est pas sympa ça hein? Le MOUF nous accueille, Alice nous a accueillis avec un grand sourire et on est heureux de vous faire partager sortie de la conso cette nouvelle vidéo. Waouh, la voiture, regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est pas chouette. Allez, hop. Le MOUF, il faut y venir. Voilà. On va pas tout dévoiler, tout vous faire voir. Encore l'univers d'Hergé, l'univers de Tintin ici. Belle vision, avec les beaux films. Vraiment, moi j'ai que des bons souvenirs, franchement, quand j'étais gamin, de voir ce Tintin au cinéma. Voilà, version cinéma, avec une machine belle vision d'époque. Le petit coin cinéma est super. Donc, nous sommes en tournage pour Kidol le Conso. C'est une exclusivité. Alors, je vais vous rappeler le MOUF. C'est où? C'est quoi? Le MOUF, c'est ouvert au 116 rue Marché aux Herbes, 1000 Bruxelles. Voilà. Et c'est ouvert de 10h à 18h. Voilà. Et vous pouvez y venir avec votre famille, avec vos amis. Et c'est chouette. Ah, Blak et Mortimer. Pour moi, Blak et Mortimer, hein, vous l'avez vu, toutes les vidéos que j'ai faites. D'ailleurs, je vous rappelle les vidéos que j'ai faites sur Blak et Mortimer. La balade au palais de justice, je vous offre le lien. Blak et Mortimer, la BD qu'on a détaillée grâce à la boutique Jeux de Bulles. Je vous remets le lien, Jeux de Bulles. Bon, franchement, on remercie Olivier pour ce cadeau pharaonique. Hein. C'est pour faire un petit jeu de mots par rapport à cette nouvelle BD de Blak et Mortimer que j'ai
très très apprécié, puisque après j'ai carrément été faire plusieurs teasers et carrément je suis allé à la source, au palais de justice. Hein. Donc faites comme moi, dévorez cette BD de Black et Mortimer. Voilà ce qu'on peut trouver ici en Black et Mortimer, éventuellement. Nous avons aussi du super-héros. Franchement, c'est chouette. Hein. Il y a vraiment une scénographie ici super sympa. Nous avons beaucoup d'autres choses. Du Bob et Bobette. Voilà. Qui sera d'ailleurs prochainement dans la salle des ventes de 68 heures. Et je vous conseille aussi, une fois de plus, d'assister à une des ventes de 68 heures auction. Franchement, je vous remets le lien des vidéos qu'on a fait. Voilà, ça sera le troisième lien que je vous mettrai dans cette vidéo sur 68 heures. Parce que franchement, ça vaut le coup. Voilà, je ne vais pas tout vous détailler, tout vous faire voir. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup. Vous voyez derrière moi toutes les vitrines qui défilent. Bah, tout ça, faudra venir le découvrir vous-même. Lors de votre visite au MOUF, au cœur du centre-ville de Bruxelles, à deux pas de la Grande Place. Hein. Donc c'est vraiment une balade famille, il y a beaucoup à lire, beaucoup à voir, c'est super chouette. Donc ça vous fait un beau week-end entre le musée du jouet, le musée de la BD et le MOUF. Voilà, nous arrivons à la fameuse bière BD à l'entrée, ça qui n'existait pas il y a 5 ans. Ça je ne l'avais pas découvert parce que ce n'était pas encore là. Et je suis assez content, c'est assez sympa. Regardez, hop là, ce qu'ils ont fait avec les sous de bière. Super, non? C'est vraiment super sympa. Ouais. La boutique. Donc la boutique, c'est pas la version boutique souvenir, entre guillemets à la con, hein, que je m'achète un petit truc et tout. Non, non, là, c'est carrément l'univers de la BD elle-même. Vous pouvez rentrer carrément dans l'univers que vous aimez en trouvant des pièces de collection, voire des pièces rares. Voilà, la boutique souvenir. Super, on va retourner à l'étage pour aller voir 2-3 petites pièces encore. Je regarde autour de moi parce que je découvre, hein, comme je vous disais tout à l'heure, je vois aussi ce qui se passe ici. Et franchement, je trouve sympa la déco qui a été refaite, l'ambiance qui a été refaite avec tous ces objets. Ça me fera l'occasion à moi aussi de revenir, hein, de refaire une balade. Une dernière petite chose à l'étage. Il n'est pas l'heure de se quitter encore, donc ne zappez pas, c'est pas encore fini. Regardez derrière, il y a du volume, il y a de quoi lire, il y a de quoi voir. Les photos sont acceptées, voilà. Nous sortons, voilà. Tout ça pour vous dire que je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo, très rapidement. Nous sommes à Templou ce week-end. Alors ceux qui me suivent sur YouTube et qui veulent du direct, suivez-moi. Retrouvez-moi sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter. Car ce week-end, donc demain, samedi, dimanche, c'est Templou pour nous. Il y aura une vidéo de fête. Pour ceux qui ne verront pas cette vidéo en live et qui ne la verront pas maintenant, bah vous allez pouvoir nous retrouver sur Kidle Console. La vidéo sera bien sûr visible et accessible pour tous. Voilà, nous allons voir la boutique du Smurf, hein, dans la deuxième langue du pays, ou Schtroumpf pour la version française. Voilà, la belle boutique qui se trouve chez nous. On était au MOUF. Je suis content de vous avoir fait cette balade. Je suis content de vous avoir fait découvrir cette petite exclue. Parce que franchement, hein, nous ne sommes pas nombreux à avoir eu cet accueil aussi chaleureux et nombreux à avoir pu vous faire découvrir cela. Alors, l'actualité du MOUF et l'actualité de toutes les autres boutiques se trouvent tous les mois dans LVA. LVA, ce sont les éditions, entre autres, de collectionneurs et chineurs. Et je ne peux que vous conseiller d'acheter cette revue tous les 15 jours. Chers amis, bonne journée, bonne soirée, bonne balade et au plaisir de vous revoir. À très vite.